Coucou à toutes, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, on se retrouve dans un haul craftelier. Donc j'ai fait une petite commande. J'ai reçu le carton, qui fait reconnaître le carton de chez Craftelier. Donc, je vais sortir donc la facture. Je vais sortir de tout ce que j'ai pris. Hop. Et voilà, donc là, le carton est vide. Donc, nous avons une petite enveloppe. Bon, j'ai donné un coup de cutter en ouvrant le colis. Voilà. Heureusement qu'il n'y avait rien de fragile parce que j'y vais franco. Donc, on a... Oh, très jolie carte. Donc une très belle carte de chez Craftelier qui est voilà, une shaker. Craftelier vous souhaite de joyeuses fêtes créatives. Trop joli. Ah, j'adore. J'adore, c'est trop joli. Merci beaucoup à vous. À l'intérieur, on a comme d'habitude. J'adore le. Oh, j'adore le washi tape. Je ne sais pas s'ils en vendent. Sur leur boutique, mais j'adore le washi. Et j'ai pris donc, enfin j'ai pris, il y a toujours la petite sucette. Voilà, donc, je vais la recoller. Oh, j'adore le washi. Je suis trop fan. Donc, qu'est-ce que j'ai pris? Alors, il y a des choses que je ne vais pas vous faire montrer. Enfin, si, je vais tout vous faire montrer, sauf qu'il y a des choses que j'ai pris en double. C'est tout simplement puisque je suis en train de préparer un swap avec donc ma copine Laetitia qui sera donc sur le thème de Pâques. Donc, prochainement, vous aurez donc plusieurs vidéos sur le thème de Pâques. Voilà, donc j'ai pris des petites choses qui sont en double, voilà, que j'ai pris pour notre swap. Donc, par contre, je suis en train de me rendre compte qu'il n'y a pas les factures d'inscrits sur la facture. C'est pas grave, comme d'habitude, je vais essayer de vous les inclure ici ou par là, je ne sais pas. Mais voilà, donc déjà dans un premier temps, j'ai pris... Donc une encre blanche comme ça, donc de la marque Love Fun. Ça faisait longtemps que je la cherchais, celle-ci. Donc trop bien. Voilà. Donc ça y est, je l'ai enfin. J'ai pris également donc un cristal d'Europe comme ceci, qui est donc de la couleur... Un métallique soft mint, voilà. Donc c'est un vert très clair. J'ai pris également, donc ça c'est dans les nouveautés, donc c'est un support pour mettre la colle. En fait, je me rends compte que des fois j'utilise les grands tubes de chez Action, où là par exemple j'en ai un de la marque Craftelier, la Takiglu. Quand on arrive au fin fond et que ça a du mal à couler, je me dis que là, hop, je pourrais poser la tête en bas et au moins là, je ne serai plus embêtée. Donc ça, c'est des nouveautés. Hop, je vais l'ouvrir, ça va être mieux. Oups, c'est bien voir. Donc, bien entendu, je l'ai pris dans la couleur mint. Vous savez, mon amour pour le bleu mint. Donc si vous voulez, le nom, c'est Glue Holder. Donc j'essaierai de vous l'inclure ici puisque là, vous allez le voir à l'envers puisque je filme avec mon téléphone. Et donc voilà, donc, trop bien. J'ai pris également donc ça c'est des corners assemblés pour assembler en fait les cartonnettes quand on veut faire des boîtes. Donc ça c'est trop bien, j'essaierai de vous en faire une petite revue. Voilà, toujours pareil, hein. Il existe dans plusieurs couleurs, j'ai vu qu'il y avait du rose, du blanc... Et moi, j'ai pris du bleu mint. Hein. Voilà. Vous savez que pour le violet et le bleu mint, ça, c'est mes amours.
Donc ça, je ne vais pas vous faire plus de détails par rapport à ça, je vous en ferai une revue. Ensuite, j'ai pris également, donc c'est un mécanisme pour les anneaux d'albums, enfin d'albums, de classeurs. Donc voilà, vous avez tout le mécanisme. Donc si vous voulez le nom, c'est Rivet Sater Tool. Donc c'est pareil, j'essaierai de vous l'inclure ici. En tout cas, c'est trop joli. Et je pense que ça va bien m'être pratique parce que j'ai quelques petites idées. Alors j'ai refait une autre petite commande sur Craftelier. Du coup, j'ai pris également donc une serviette de bain. Qui est super jolie. Donc voilà, elle est dans la petite pochette. Je vais me décaler un petit peu afin que vous puissiez bien la voir, mais en tout cas j'essaierai de vous mettre donc une photo en fin de vidéo. Il faut savoir que donc la deuxième commande que j'ai passée donc sur Craftelier, c'est tout simplement parce que ma petite sœur, quand je lui ai fait montrer la serviette, elle a adoré et du coup elle m'a dit « Oh, moi aussi j'en veux une !» Donc du coup voilà, voilà du pourquoi du comment. Et j'ai pris également deux petites choses que j'ai pris en double également, qui ira également dans le swap que je fais pour Laetitia sur le thème de Pâques. Voilà, donc on s'est donné un budget. Et on doit essayer de faire en sorte de le respecter. Voilà, donc, petite parenthèse fermée, je vous montre la serviette de bain. Je pense que vous l'avez toutes et toutes vue. Mais en tout cas, je l'adore. Voilà. Donc, c'est dommage parce que vous n'allez pas la voir en entière. Mais voilà, on a le nom. Craftelier ici et plein de choses. Elle est vraiment très très épaisse, donc ça va être parfait. Donc même quand je serai dans ma salle de bain, je penserai au scrapbooking. Voilà, mais en tout cas, si à tout hasard ils vendent des rouleaux de washi tape comme ceci, qui je trouve représente aussi bien la serviette, eh bien franchement, sans problème, je le commanderai. Voilà. Voilà pour ce haul Craftelier. Donc j'espère qu'il vous aura plu. Et je vais bientôt faire donc cette revue de ce kit pour assembler. Donc c'est des coins d'assemblage pour cartonnage. Voilà, donc j'espère qu'en tout cas cette vidéo vous aura plu et moi je vous retrouve dans une prochaine vidéo. Bye bye.